Vous êtes quelqu'un, de par les études, qui a failli être médecin. Comment avez-vous opéré cette transformation? Et pour commencer, je dirais merci encore une fois de plus. Dans la vie, il faut croire. Moi, je crois à moi. Nous avons cru qu'à partir du métier d'artiste, on peut être quelqu'un de bien. Et que nous sommes une école. Et quand on est école, il faut que les gens apprennent de toi. C'est-à-dire avoir une vision et porter sa vision. De 98 à maintenant, c'est plus de 20 ans de carrière. Et ça a prévalu beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on te parle, par exemple, de 2004, tu connais Ablaye Fagné Touré, fait Ablaye Fagné Touré, avec son festival, les rencontres théâtrales. Ou au début, après les formations au centre culturel, comme tu le sais, j'ai été médaillé d'or avec mon équipe et aux rencontres théâtrales langue française. Parce que c'est pour dire quoi? Être artiste, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend. Ça se travaille. Et avant, c'est comme dans un restaurant. On t'invite dans un restaurant, tu regardes le menu, tu demandes, après on te sert le plat que tu as demandé. Donc l'artiste, c'est toute une cuisine avant de présenter aux gens.